Départ validé pour cette sixième épreuve, le prix de la Godinière avec des concurrents âgés de 4 ans et plus, des concurrents qui vont évoluer sur la distance de 2400 mètres. On est bien parti avec Abel Gabéré, le numéro 7 qui est venu se placer en tête avec Blushing Pegasus, le numéro 6 qui est côté corde. Alors qu'ensuite nous avons Cap Corse, l'As qui est en troisième position pour passer devant nous. Royal Menanti, le numéro 3, vient ensuite et côté corde. Au centre, nous avons Racing Bay qui porte le numéro 2 qui est en cinquième position. Un peu plus loin, nous avons Nardo qui porte le numéro 8 qui vient ensuite à l'extérieur en compagnie du numéro 4 avec Simplicité. Les concurrents qui entament le tournant avec Blushing Pegasus, le numéro 6 qui est en tête et qui est côté corde avec à l'extérieur Belga Béré, le numéro 7 qui est en deuxième position. Ensuite, nous retrouvons Royal Menanti, le numéro 3 qui vient ensuite, qui est en troisième position le long de la corde avec également Cap Corse, l'As qui est en quatrième position. Au centre, on retrouve Racing Bay qui porte le numéro 2, suivi également par Nardo, le numéro 8 qui galope plutôt à l'extérieur avec le numéro 4 avec Simplicité qui est côté corne. Et ensuite nous avons Rolling Paul, le numéro 5 qui est en pleine piste aux côtés de Lucilo, le numéro 9. Les concurrents qui sont maintenant dans le fond de l'hippodrome avec Blushing Pegasus, le numéro 6 qui contrôle toujours les opérations en compagnie de Belga Béré, le numéro 7 qui est en deuxième position à l'extérieur, Royal Menanti, le numéro 3 venant ensuite en troisième position et situé plutôt côté corne. Alors qu'ensuite, nous retrouvons une nouvelle fois Racing Bay qui porte le numéro 2, qui vient ensuite en 4e, 5e position et qui est côté corde. Les concurrents qui sont donc dans le sous-bois avec Blushing Pegasus, le numéro 6 qui est toujours avec Belga Béré qui est 2e à l'extérieur. On retrouve Cap Corse qui commence à attaquer à l'extérieur. Ensuite, au centre, nous avons Racing Bay, le numéro 2, avec également Royal Menanti, le numéro 3, qui vient ensuite, qui est côté corde, suivi par le numéro 4 avec Simplicité, qui est maintenant et bien côté corps. Les concurrents qui vont sortir dans quelques instants du tournant, Belga Béré, le numéro 7 qui est aux avant-postes, suivi par Racing Bay qui vient ensuite. Ensuite nous avons Cap Corse qui commence à attaquer à l'extérieur pour sortir dans quelques instants du tournant avec Racing Bay également qui va finir fort maintenant côté corps. Les concurrents qui sont maintenant à peu plus de 250 mètres du poteau final avec Racing Bay, le numéro 2 qui est venu se placer en tête avec à l'extérieur Cap Corse, avec tout à l'extérieur également Nardo qui finit fort. On finit fort aussi avec Rolling Paul, le numéro 5 en pleine piste, moins de 50 mètres du poteau final. C'est le numéro 2, Racing Bay, qui en parle l'épreuve devant l'As Cap Corse. Et tout à l'extérieur, le numéro 8, Nardo, qui terminera 3e.